Good morning, Alaïdan, les tueurs. Aujourd'hui, le Nishmat, Machloufin, Rabin, Masouda, Rivka, Abat, Levi, Itzrak, Avram, Chénor, Ben, Fortune, Mazal, Doven, Yodit, et Nissan, Ben, Mefret, si vous souhaitez, vous c'est une prochaine étude de Mishnah, comptez 25 minutes éternelles. Nous étudions un Sechad Midot, Perek, Hé, Mishnah Bet. Minak Safon, la Darom, Mea, Ushloshim, Vechamesh. A Kevesh, Vea, Mizbeach, Ve, Shishim, Ushtaim. Mina, Mizbeach, la Tabaot, Shmona, Amot. Comme Tabaot, Esrim, Vea, Arba. Mina tabaot la shulchanot arba, mina shulchanot l'ananasim arba, mina ananasim la kotel, le kotel la azara, shmone amot, ve amot arben akevesh, la kotel ou mekom ananasim. Et on commence à traduire la Mishnah, c'est simple. On est depuis maintenant, on s'amuse depuis maintenant, trois Mishnayot, à faire des découpes du. Et râle dans les détails, dans la hauteur, dans la longueur, dans la largeur, savoir exactement qu'est-ce qu'on rencontre au fur et à mesure. Ça prend 100 amas, mais comment c'est partagé ces 100 amas pour le Echal? Dans la méchante précédente, on s'occupait maintenant à la découpe de la Hazara, en fait, au partage des sections de la Hazara, depuis la Ezrat Israël, l'Ezrat Kohanim, le Mizbeach, jusqu'au Echal, le Kodesh HaKodashim, et derrière le Echal. Et à présent, dans notre Mishnah, on va faire la découpe de la Hazara du nord jusqu'au sud, en passant, on va prendre la partie la plus complexe, en fait, où il y a le plus d'éléments, qui est en fait la partie du Mizbéar, et on va faire une découpe. Comment tu partages les 135 amas ici? Qu'est-ce que chaque chose mesure? Et la Mishnah m'enseigne, Mina Safon Veladarom, du nord jusqu'au sud, il y a Mea Ushloshim Vechamesh, il y a 135 amas. A Kevesh, Vea Mizbéar, Shishim Ushtaim. Il y a déjà une première chose que tu connais très bien. C'est le Kevesh et le Misbéar qui faisaient en tout 62. D'accord? Pourquoi 62? Parce qu'en fait, le Kevesh, il faisait lui-même 32. C'est vrai, mais le Misbéar aussi, il faisait 32. Mais le problème, c'est que le Misbéar, il rentrait au fur et à mesure. Donc le Kevesh, il lui rentrait. Ouais, vous avez compris. Le Misbéar, c'était pas un gros bloc tel quel de 10 amas, mais c'était, ça montait une amas et ça rentrait. Après, ça montait encore, et au bout de 5 amas supplémentaires, ça rentrait de nouveau. Donc on avait comme ça, on avait gagné deux amotes. Du coup, le Kevesh, la rampe pour monter, elle était sur ces deux amotes. Donc au total, ça nous prenait une distance de 62 amas au tout. En tout. D'accord? En tout, ça faisait 62 amas. Maintenant, Mina Mizbeach, la Tabaot. Du Mizbeach jusqu'au Tabaot, jusqu'aux anneaux, là où on faisait la Shrita, vous vous rappelez, il y avait des anneaux par terre, parce qu'il ne fallait pas ligoter le Mizbeach. Donc en fait, il y avait des anneaux installés, qui avait 24 anneaux selon les 24 Mishmarot, les 24 gardes des Kohanim, et là-bas il y avait 8 amas de distance entre les deux. Ouais, on a aussi la belle découpe dans ce schéma en fait, vous l'avez aussi dans la proverette, la page du milieu. Et on a 8 amas, regardez, la découpe elle est là en fait, 12,5, 62, 8, 24, et ainsi de suite. Et on continue donc. Donc pour le moment on avait 62, plus encore 8, on arrivait à 70 amas. Mais comme à Tabaot Esrim Varba, l'espace, la longueur des Tabaot, ça faisait l'équivalent de 24 amas, 12 mètres. De nouveau, il y avait une discussion, est-ce qu'il y avait 4 sur 6 ou 6 sur 4? Parce que c'est dans le sens, mais ça en est au même. Et après, on a Mina Tabaot la Shulchanot Arba. Après, des Tabaot jusqu'au Shulchanot, on a de nouveau une distance de 4. D'accord, vous avez compté, donc on avait, je reprends depuis l'espace qu'on avait, 8 plus 24, ça nous fait 32. Plus encore, Minatabaot le Shulchanot Arba, il y a 4, ça nous fait 36. Minatabao, Minashulchanot et la Nanasim Arba, les Shulchanot jusqu'au Nanasim, de nouveau, on a 4 supplémentaires. Minanasim la côté, la Zara, Shmona Amot, puis après des Nanasim, pour le moment, on a sauté l'espace des Nanasim. Et on a dit des Nanasim jusqu'au mur, on a l'équivalent de 8 amas. Donc si vous faites maintenant l'addition, vous allez avoir 8 plus 8, plus 24, plus 8, plus 62, on va se retrouver avec 110 normalement de premier calcul, par l'absurde, mais ça revient au même. Et il s'avère que maintenant il nous reste deux choses. Il nous reste l'équivalent de 25 amas à partager, vers Motar, et le reste, donc 25 amas à partager, que Ben Akevesh, la Kotel, ou Mekom Ananasim, les 25 qui restaient, ben, tu les partages en deux. Tu donnes la moitié depuis le Kevesh jusqu'au mur. Ici, tu donnes 12,5 amas, et la deuxième moitié, tu la donnes pour les nanasim, pour les fameux nanasim, vous savez, c'est le... On est parti vite dans la Mishnah, en fait, il y avait les tabot, les shulchanot et les nanasim. Tabot, c'est là où on fait la shrita.
là où on fixe l'animal par terre, pour pouvoir le faire la shrita, pour ne pas qu'il gigote dans tous les sens. Puis après, on le dépeçait, on l'accrochait dans les nanasim, et on utilisait les tables qui étaient à côté. Les nanasim, c'était le fameux dispositif avec les crochets pour pouvoir accrocher la bête, et la dépecer, la sectionner en morceaux, faire monter les parts requises sur le misbéach. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.